Moussakoli News avec Nila Mbungu. Vos informations en temps réel. La bonne information, c'est Moussakoli News. Seigneur notre Dieu, nous célébrons ton nom, nous célébrons ton nom, nous célébrons ton nom.
ton nom est Shaddai, car il n'est comme toi, ni des semblables à toi. Nous te disons gloire, toi qui es sur le trône. Nous te disons gloire, toi les chemins de vie, toi les chemins de vie, les chemins qui nous conduisent vers notre éternité. Nous te couronnons les rois des nations, nous te couronnons les rois des siècles, les dieux qui vivent, les dieux qui donnent la vie, les dieux qui vont finir par Seigneur. Sois loué, les gardes des nations. Sois loué, les gardes des siècles. Sois loué, le pacificateur des familles, l'unificateur des nations. Sois loué, notre Dieu, notre roi. Nous célébrons le Seigneur des Seigneurs, les rois qui a vaincu, les rois qui règnent. Et tout l'honneur et toute la gloire de son roi dit, les maîtres du ciel et de la terre, les maîtres du cœur des cieux. Sois béni à jamais, l'auteur de toute vie, l'auteur de toute création, la parole de vie, la parole faite chair, la parole révélée, la parole qui a incarné toute la divinité, la parole éternelle, la parole créatrice, la parole de Dieu, les consolateurs, les actes de cœur frisés, les réparateurs des brèches, nous disons merci. Béni sois-tu le maître. Merci Seigneur pour ton présence. Merci pour les services des anges. Merci pour ton trône au milieu de nous. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Merci pour des guérisons, des miracles que tu vas opérer. Merci pour ta droite puissante qui est élevée. Merci pour l'accomplissement de tes promesses. Merci pour l'accomplissement de ta parole. Nous te faisons confiance parce que tu es Dieu. Nous te faisons confiance parce que tu es celui qui ne peut jamais mentir. Il ne sera jamais un homme pour se repentir. Tu es digne de recevoir, Seigneur, toute la gloire cet après-midi, car tu nous connais parfaitement et tu as toutes les réponses à nos questions. Tu as toutes les solutions à nos problèmes. Tu es ce Dieu qui est avec nous, qui a dit que tu es avec nous aujourd'hui et jusqu'à la fin du monde. Ta présence cet après-midi, c'est notre délivrance. Ta présence, c'est notre bienfait, Seigneur notre Dieu. Nous te disons merci à toi qui règne. Nous te disons merci à toi qui vis dans les noms glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Ta présence. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu. Nous lisons dans les livres des Galates. Galates, le chapitre 1. Alléluia. Nous allons lire à partir du 11e verset jusqu'au 19e. Galates, chapitre 1, le verset 11 jusqu'au verset 19. Nous lisons au nom du Seigneur. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son fils afin que j'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni les sangs. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais j'ai parti pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, j'ai monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Et j'ai demeuré 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Actes des apôtres. Actes des apôtres, le chapitre 9. Nous allons prendre les premiers versets jusqu'au 5e et nous allons passer au 10e jusqu'au 15e verset.
Actes des Apôtres, le chapitre 9, les versets 1 jusqu'au verset 5, je lis au nom du Seigneur. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre comme les disciples du Seigneur, contre les disciples du Seigneur, pardon, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serrait dur de tes jambes contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Je passe au verset 10. La Bible dit ceci. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, « Mais voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme, Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui est entré et qui lui imposait les mains afin qu'il retrouve la vie. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Je reprends le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est mon instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Verset 20, chapitre 20, toujours dans Actes des Apôtres. Chapitre 20, nous allons prendre le verset 22. Verset 22, j'ai lu 22 jusqu'au 25, j'ai lu au nom du Seigneur. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendaient. Mais je ne fais pour moi même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne me verrez plus mon visage. Vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu, que Dieu bénisse sa parole. Je vais lire aussi 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Nous allons prendre les versets de chapitre 1. Non, qu'est-ce que je dis? 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Jusqu'au verset 33. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23 jusqu'au verset 33. Sont-ils ministre de Christ,
Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. 3 fois j'ai été battu des verges. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans les travaux et dans la peine, exposé à de nombreuses veillées, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Que Dieu bénisse sa parole. Et pour terminer, de Timothée. De Timothée, chapitre 1. Timothée chapitre 1, le verset 8 jusqu'au verset 12. Et Timothée chapitre 8. Et Timothée chapitre 1, verset 8 jusqu'au verset 12. Je lis au nom du Seigneur. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni témoins son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est pour l'évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu ajoute des multiples bénédictions à sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse, veuillez reprendre vos places. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour votre présence. Je prie que l'Éternel vous soit favorable cet après-midi pour bien comprendre sa volonté divine, sa volonté souveraine qui est exprimée dans sa parole et par sa parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes en train de parler sur notre thème central que nous avons intitulé « Les alliances ». Nous avons parlé des alliances contractées avec Dieu et des alliances contractées avec Satan. Nous avons parlé des bienfaits des alliances avec Dieu et des conséquences des alliances contractées avec Satan. Amen. Nous avons en général dit que Satan ne fait que copier ce que Dieu fait. À chaque fois que Dieu se manifeste dans une alliance, Satan aussi vient pour contrecarrer cette alliance-là, parce qu'il ne fait que le contraire de ce que Dieu a fait. Alléluia. Sa volonté, c'est de nous amener dans l'abîme, dans la perdition, dans la malédiction. Mais la volonté de Dieu est que nous ayons la vie et que nous ayons aussi la vie en abondance. Amen. Et nous sommes avancés. La fois passée, nous avons exploité un sous-thème que nous avons intitulé « La souffrance ». Alléluia. Et nous avons tiré ces sous-thèmes dans les livres de Samuel. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons lu dans 2 Samuel chapitre 3, si je ne m'abuse pas. Chapitre 3. Là où David est en train de maudire Joab qui était son neveu, de Samuel chapitre 3 verset 12, verset 13 et puis verset 28 jusqu'au verset 30. Là où David proclame des paroles de malédiction contre son frère. Alléluia. Amen. Parce que son frère avait brisé l'alliance. Alléluia. Et nous avons lu aussi dans 2 Rois chapitre 4 verset 1 jusqu'au verset 17, la fois passée,
pour expliquer deux ou trois types de souffrances que nous avons dans la vie. Nous avons dit ceci. Nous avons deux ou trois types de souffrances. Première forme de souffrance, ou bien premier type de souffrance, nous avons la souffrance que Dieu permet dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Dieu peut permettre une souffrance. Alléluia. Dieu n'est pas à l'origine de notre souffrance, mais il peut permettre une souffrance. Alléluia. La souffrance, c'est cette étape, ça peut être une étape, ça peut être une période, ça peut être un moment où la personne est dépourvue de tout, la personne est incapable de se réjouir de tout ce que Dieu lui a donné, de se réjouir même parce qu'on peut être dans l'abondance, on peut avoir l'argent, mais tout en étant aussi souffrant. Alléluia. C'est-à-dire la souffrance, c'est cette façon de vivre quand on n'est pas en mesure de se contenter, en mesure de se réjouir, en mesure de se régaler avec tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Amen. Amen. C'est un moment de manquement, un moment de pauvreté, un moment de mépris, un moment de souffrance, un moment de galère qui peut nous arriver d'une manière ou d'une autre. Et très souvent, la souffrance est liée au bien matériel ou bien à l'argent. Alléluia. Mais nous avons aussi une forme de souffrance qui est une souffrance spirituelle. Amen. Toute souffrance que nous vivons sur la terre, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit financière, qu'elle soit dans n'importe quel domaine de notre vie, commence d'abord sur le plan spirituel. Alléluia. C'est le plan spirituel, c'est le spirituel, la pauvreté spirituelle, la souffrance spirituelle qui va engendrer la souffrance matérielle ou bien financière. Alléluia. Vous allez comprendre que dans la Bible, Jésus avait préféré expliquer, préféré peut-être éclairer son auditoire par des paraboles. Les paraboles, c'était des moments où Jésus choisissait pour illustrer son message, illustrer la parole de Dieu pour la meilleure compréhension. Amen. Amen. Mais parmi toutes ces paraboles, vous allez comprendre qu'il y a à peu près une vingtaine de paroles que Jésus a utilisées juste parce qu'il voulait parler de l'argent ou bien des biens matériels. Alléluia. Amen. Il y en a 30, je crois, mais il a utilisé plus de 20 pour parler ou bien illustrer ou bien faire comprendre ce qui concerne l'argent ou bien les biens matériels. Amen. Amen. Dans la Bible, nous avons plusieurs promesses, mais vous allez comprendre que plusieurs promesses résident dans les biens matériels ou bien dans les domaines financiers. Amen. Nous avons plus de 500 versets dans la Bible qui parlent de l'argent ou bien des biens matériels. C'est-à-dire que c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est dans ces domaines que l'ennemi réside. C'est dans ces domaines que le diable, bien aimé, fait asseoir tout son pouvoir et toute sa puissance. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons bien comprendre, bien aimé, les étapes, chaque étape que nous vivons dans notre vie. Surtout l'étape de la souffrance. C'est l'étape où la plupart d'enfants de Dieu abandonnent les chemins de la victoire, les chemins de Dieu, abandonnent la vie chrétienne, abandonnent la vie de sainteté pour s'attacher aux esprits mauvais, pour s'attacher aux esprits diaboliques. Amen. Amen. Sous forme des dignes guérisons qu'on cherche, sous forme d'une délivrance, sous forme des enseignements qu'on veut avoir, sous forme d'une connaissance qu'on veut avoir aussi. Amen. Amen. Faisons très très important. Alors, nous devons savoir que dans notre vie, nous avons trois types de souffrances. Nous avons la souffrance que Dieu lui-même permet dans notre vie. Et nous avons la souffrance aussi qui est due à notre comportement, qui est due à notre façon de vivre. Alléluia. Et nous avons aussi la souffrance qui est liée à des alliances contractées par des arrières et des arrière-parents. Alléluia. La souffrance héréditaire. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Nous avons aussi la souffrance héréditaire. C'est-à-dire qui vient des arrières et des arrière-parents. La fois passée, nous avons commencé à expliquer sur la souffrance que Dieu permet. Nous avons lu dans les livres de Job, là où la Bible nous a expliqué comment Dieu a permis que Job soit dans cet état de souffrance. Nous avons d'abord expliqué la personne de Job. Alléluia. Pour bien comprendre sa souffrance. Job était un homme intègre, il était un homme juste, il était un homme droit devant Dieu.
Job, c'était un sacrificateur. C'était ses papas de famille qui s'est mis à la place des sacrificateurs parce que la Bible nous dit qu'à chaque fois, il faisait des sacrifices des péchés pour ses enfants. Alléluia. C'était un sacrificateur. Job, c'est celui qui aimait sa femme, c'est celui qui aimait sa famille. Job était un homme riche dès le départ. Alléluia. Il avait beaucoup de biens, il avait beaucoup de troupeaux. Alors, nous voyons comment Job est tombé dans la faillite. Ce n'est pas parce qu'il avait péché, ce n'est pas parce qu'il avait fait du mal, ce n'est pas parce qu'il était dans une mauvaise alliance, mais Job a péché parce qu'il y avait un défi qui a été lancé dans les cieux. Alléluia. L'Éternel qui connaissait le cœur de Job, l'Éternel qui connaissait le niveau de la foi de Job, l'Éternel a permis que Job soit atteint par cette souffrance. Alléluia. Amen. Une souffrance que Dieu permet, bien-aimé, c'est une souffrance qui peut être dure à supporter, qui peut être dure à vivre. Mais fin de compte, Dieu ne laissera jamais ta foi faillir. Parce que la Bible dit que Dieu ne nous sera jamais tenté au-delà de notre force. Alléluia. C'est-à-dire, une souffrance que Dieu a permis, Dieu va te laisser toujours, bien-aimé, une capacité. Il va te laisser quand même un décret de la foi pour résister et pour tenir ferme. Alléluia. Amen. Peut-être avec la nature humaine, tu vas te dire, n'a commis la souffrance, je suis arrivé au bout. Ça, c'est l'humain qui parle. Souvenez-vous de Jésus-Christ sur la croix. Alléluia. Amen. C'était une souffrance que Dieu avait permis. Mais en tant qu'humain, Jésus a dit, Seigneur, est-ce que c'est possible que tu puisses éloigner cette coupe de douleur? Alléluia. Amen. La chair humaine peut réclamer. La chair humaine peut comprendre la souffrance, peut ne pas comprendre la souffrance. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus, sur la croix, en tant qu'humain, il a demandé que l'Éternel puisse éloigner. Mais quand il revient maintenant, quand l'homme spirituel agit, l'homme spirituel dira quoi? Toutefois, pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Alléluia. Amen. Que ta volonté, Seigneur, soit faite. Amen. Alors, j'aimerais qu'on puisse encore comprendre une deuxième expérience, une souffrance que Dieu permet dans notre vie. Nous avons lu dans Actes des Apôtres l'histoire de cet homme que nous connaissons tous, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, au départ, il n'était pas apôtre de Jésus. Au départ, il ne connaissait pas Jésus. Alléluia. Amen. Mais il était un adepte des pharisiens. Il était pharisien. Alléluia. Il était pharisien. Apôtre Paul, c'est celui qui avait suivi des enseignements doctrinaux sur soi-disant la loi de Dieu. Alléluia. Dans une école renommée à l'époque qu'on appelait l'école des Gamaliens, un docteur de la loi. Amen. C'est-à-dire, Paul, ce n'était pas un ignorant, c'était un intellectuel, c'était quelqu'un qui avait les soucis de bien connaître Dieu et de bien servir Dieu. Mais chose grave, il va tomber dans l'erreur. Alléluia. Amen. Dans les hérésies, il va tomber dans un piège de l'ennemi. Paul, il est juif de naissance. Il est dans l'alliance d'Abraham. Il est dans l'alliance Jacob, il est dans l'alliance d'Isaac. Alléluia. Il est dans l'alliance de David. Il est dans l'alliance du peuple d'Israël. Alléluia. Parce que nous avons expliqué que l'alliance peut être individuelle, tout comme elle peut être globale. Alléluia. Paul, en tant que juif, il était dans toutes ces alliances. Il était dans l'alliance globale de tous les enfants d'Israël. Et il était aussi dans une alliance particulière. Alléluia. De David, de Jacob et d'Isaac. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Paul, il était un pharisien irréprochable. Paul, il était farouchement partisan des traditions de ses pères. C'est-à-dire, les pharisiens se basaient plus sur les traditions. Alléluia. Soi-disant qu'ils sont en train de défendre la parole de Dieu. Souvenez-vous, quand ils sont venus voir Jésus, Jésus va leur dire ceci. Vous avez changé la loi de l'Éternel par vos coutumes et traditions. Amen. Amen. Et aujourd'hui, on trouve aussi des pharisiens à notre époque. Les gens qui soi-disant qui font la parole de Dieu, mais en se basant sur leurs coutumes et traditions. Alléluia. Amen. Les coutumes, ce n'est pas la parole de Dieu. Les traditions humaines n'est pas la parole de Dieu.
ne sont pas la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, Paul, en tant que pharisien, il s'est basé sur des coutumes et traditions. Amen. Je donne un exemple. Ils sont, les pharisiens sont venus voir les disciples de Jésus qui mangeaient sans se laver les mains. Alléluia. Amen. Alors, ils vont reprocher Jésus. Comment se fait-il que toi, tu prétends être le Messie, mais tes disciples mangent sans se laver les mains? Alléluia. Pour eux, c'était un péché, c'était inconcevable. Jésus va leur dire que non. Si on lave les mains, c'est juste une question. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Alléluia. Amen. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Vous avez changé la loi de l'Éternel par vos coutumes et traditions. Amen. C'est pourquoi les pharisiens ne pouvaient pas supporter Jésus. Parce que Jésus, lui, exerçait. Jésus, lui, appliquait. Jésus vivait selon la parole de Dieu. Mais comme ils vivaient selon les coutumes et leurs traditions, ils voyaient une contradiction, alléluia, entre eux et Jésus. C'est-à-dire, ils étaient dans l'alliance humaine, dans l'alliance avec les esprits contraires. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit que nous devons faire attention. Même certaines églises peuvent être la source de nos malheurs. Certains enseignements peuvent être la source de nos souffrances. Alléluia. Ça, une église, c'est quoi? Une église, c'est pas seulement ceux qui se réunissent au nom de Jésus. Tout un groupe de gens qui se réunissent pour une cause, bien aimé, c'est une église. Alléluia. Tous ceux qui sont mis à part pour un but, c'est une église. Amen. Mais il faut avoir l'œil spirituel pour bien discerner quelle est l'église de Dieu et quelle n'est pas l'église de Dieu. Alléluia. Alors, Paul prétendait être dans l'église de Dieu. Raison pour laquelle il va maintenant user de sa connaissance, de son pouvoir, pour maintenant détruire la vraie église, détruire les disciples. Paul, c'est celui qui a assisté, qui a donné son approbation pour que les premiers martyrs de l'église soient tués. Étienne, alléluia. Amen. Si Étienne était mort, lapidé, Paul était parmi ces gens-là qui ont donné leur aval. Alléluia. Amen. Paul, il était le persécuteur de l'église. Paul, il était quelqu'un qui avait du mal à supporter la vraie parole de Dieu, à supporter les gens qui sont dans l'alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens aujourd'hui dans notre vie qui ont du mal à nous supporter parce que nous sommes dans l'alliance avec Dieu. Sa jalousie, sa mauvaise foi, son mauvais cœur, ce n'est pas parce que tu as du bien, tu as des biens matériels, non, c'est parce que tu es dans l'alliance, parce que tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons bien aimer dépend de l'alliance contractée. Alléluia. Dieu ne peut rien faire dans notre vie s'il n'y a pas une alliance avec lui. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu est avec vous si vous êtes avec lui. Être avec Dieu, c'est être dans son alliance. Alléluia. Dieu est avec vous si vous êtes avec lui. Être avec Dieu, c'est conclure une alliance avec Dieu. La Bible dit, deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble. Alléluia. S'ils ne se sont pas mis en accord. Amen. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un point commun quand nous sommes allés, quand nous marchons allés. C'est la même chose avec Dieu. Quand nous voulons marcher avec Dieu, quand nous voulons vivre avec Dieu, quand nous voulons obtenir la grâce de Dieu, les bienfaits de Dieu, il faut que nous soyons en commun accord avec Dieu. C'est ce que nous appelons l'alliance. Amen. Amen. Et Paul était contre ces gens-là qui étaient dans l'alliance avec Dieu. Il avait la rage de supporter l'évangile. Il ravageait l'église. Il pénétrait dans des maisons. Il arrêtait hommes et femmes et les jetait en prison parce qu'ils sont adeptes de la nouvelle doctrine qui était la doctrine de Jésus-Christ. Amen. Paul, il était sans pitié devant les chrétiens. Un jour, il demande, c'est lui qui a sollicité auprès de le souverain sacrificateur, l'autorité d'aller arrêter tous les disciples qui étaient dans l'église de Damas. Amen. Et chemin faisant, la Bible dit, il va faire maintenant une expérience personnelle avec le vrai, avec le véritable. Alléluia. Amen. Et Dieu va se révéler au travers d'une lumière. Il n'y avait que lui qui voyait cette lumière-là. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand Jésus-Christ, fils de Dieu, quand Jésus-Christ, roi de Dieu, se révèle dans ta vie, veut te délivrer, veut t'orienter, veut t'amener sur son chemin, veut t'amener dans sa parole,
Il n'y a que lui et toi qui sera le témoin oculaire. Alléluia. J'aime bien ce que Paul dit. Il dit, quand il a plu à celui qui m'avait aimé dès le ventre de ma mère. Alléluia. Il fait son discours en reconnaissant que ce qu'il est devenu, ce n'était pas la volonté de ses parents, ce n'était pas la volonté de ses frères ni de ses soeurs. Alléluia. Il dit, je n'ai pas eu le temps d'aller interroger. Je n'ai pas eu le temps d'aller demander la vie de ceux qui étaient tout autour de moi. Alléluia. C'est-à-dire que quand Dieu descend pour te délivrer, quand Dieu descend pour se révéler à toi, ne cherche pas à connaître la vie de ceux qui sont tout autour de toi. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que celui qui est tout autour de toi n'a pas vécu ce que toi tu as vécu. N'a pas compris ce que toi tu as compris. Alléluia. N'a pas l'expérience de ce que Dieu a fait dans ta vie. Il va te donner la vie par rapport à lui. Alléluia. Mais lui n'a pas vécu ce que toi tu n'as pas vécu. Amen. Amen. C'est-à-dire, on peut être tel que nous sommes là dans l'église. Et cette parole, Dieu nous parle. Sachez très bien que tout le monde n'aura pas la même compréhension. Alléluia. Si tu sens que c'est Dieu qui te parle, bien aimé, ne cherche pas à avoir l'explication chez une autre personne. Alléluia. Parce que quand Dieu te parle, c'est-à-dire qu'il est en train de t'expliquer clairement. Il est en train de toucher ton cœur. Il est en train de te convaincre. Alléluia. Si tu as dit de prier, prie. Si tu as dit de t'engager, engage-toi. Si tu as dit d'abandonner ces choses-là, abandonne. Alléluia. Mais il suffit que tu demandes à quelqu'un qui n'a pas compris ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Qu'est-ce que tu auras? Tu auras toujours le découragement. Tu auras toujours des faussetés. Alléluia. Est-ce que Dieu peut te dire ça? Est-ce que si tu abandonnes cet homme-là, tu crois que tu vas vivre? Alléluia. Est-ce que si tu abandonnes de voler? Est-ce que si tu fais ça? Est-ce que tu... Alléluia. Amen. Est-ce qu'on parle quand même pour le Seigneur? Amen. Mais Dieu, il sauve Paul. Alléluia. Il se révèle à lui. Et Paul comprend que là, ce n'est pas le suprême sacrificateur qui me parle. C'est le Seigneur Jésus qui me parle. Alors, du coup, la Bible dit qu'il est devenu aveugle, il ne peut plus voir. Il ne comprend pas ce qui se passe. Et au même moment, Dieu se révèle à une autre personne à Damas. Ananias, qui était le vrai disciple de Jésus-Christ, il lui dit, voilà, tu vas sortir de chez toi. Tu vas trouver un homme qui a eu une vision, qui ne comprend rien. C'est toi qui vas lui expliquer. C'est toi qui vas prier pour lui, afin qu'il puisse recouvrir la vie. Alléluia. Et à Ananias, Dieu explique maintenant le but pour lequel il a sauvé Paul. Alléluia. Bien aimé, chaque appel de Dieu dans ta vie, il y a toujours un but. Ne viens pas à l'église parce que tu n'as rien à faire à la maison, il faut que tu viennes prier. Ne viens pas à l'église parce que tu as beaucoup d'habits, tu n'as pas le temps pour les porter. C'est une bonne occasion, une bonne opportunité pour porter tes habits. Il faut venir à l'église. Amen. Ne viens pas à l'église parce qu'on est en train de t'exciter à tout moment. Il faut que tu viennes prier, il faut que tu viennes à l'église. Non, viens à l'église parce que tu as reçu l'appel de Dieu. Alléluia. Et à chaque appel, il y a toujours une mission bien définie. Il y a toujours un but que Dieu poursuit. Amen. Amen. Si on commence même à t'exciter à tout moment, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Comprends que tu es déjà sur la pente. Alléluia. Et là, même si tu viens, tu auras du mal à supporter le désert qu'on fait ici. Alléluia. Amen. Tu auras du mal à supporter la parole qu'on prêche. Dieu se révèle à Paul. Mais Paul ne comprend pas la mission. Il faut maintenant que Dieu révèle maintenant à Ananias pour qu'il vienne expliquer la mission et le but pour lequel Dieu l'a sauvé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu peut te sauver d'une manière ou d'une autre, mais Dieu va révéler à ses serviteurs, alléluia, de te communiquer le but pour lequel il t'a sauvé. Ça peut être par la parole de Dieu, ça peut être par une vision, ça peut être par une prière. Dieu a plusieurs moyens de se révéler. Amen. Alors, écoutez maintenant la mission, le but pour lequel Dieu a sauvé Paul. Alléluia. Vous savez, la plupart des temps, nous disons que Dieu ne nous a pas appelés à souffrir. Et surtout quand nous vivons un moment difficile, quand nous vivons un moment critique dans notre vie, la première chose, c'est de dire, non, ce n'est pas Dieu. Si c'est Dieu, Dieu ne permettra jamais ça. Dieu n'a pas appelé à vivre ça. Non, bien aimé, Dieu, il est souverain. Alléluia. Amen.
Dieu, il est souverain. Mais quand il permet, c'est pour notre bien. Amen. Quand il permet, c'est pour notre bien. Écoutez ce que Dieu fait dans la vie de Paul. Le chapitre 9 des Actes des Apôtres. Acte chapitre 9. Je vais lire le verset 15. La Bible dit ceci. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir. Est-ce que vous avez lu ça avec moi? Amen. Amen. Dieu n'a pas dit, je lui montrerai tout ce qu'il va vivre comme joie, comme bonheur, comme honneur, comme délivrance. Non, non. Tout ce qu'il va souffrir pour mon nom. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il va souffrir. Imagine-toi. Dieu se révèle à toi. Il te montre, voilà l'homme de ta vie ou bien la femme de ta vie. Amen. Ça, c'est le souhait de toute femme ou bien tout homme célibataire qui prie, qui veut être en mariage. Il suffit d'avoir cette révélation de Dieu concernant le partenaire de ta vie. Bien aimé, c'est un sujet de gloire. Amen. Amen. Et par après, Dieu te dit ceci. Voilà cet homme que j'ai placé dans ta vie. Il est là pour ta souffrance. Alléluia. Amen. Non, cette femme que j'ai placée dans ta vie, elle est là pour ta souffrance. Qui va accepter de prendre cette femme en mariage? Alléluia. Amen. Qui va accepter de prendre cet homme en mariage? Qui va croire que c'est Dieu qui parle? Qui peut faire confiance en Dieu en ce moment-là? Amen. 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 Même si c'est le pasteur qui a donné le message là, on va dire non, 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 pasteur, non, c'est impossible. Amen. C'est impossible. Mais je vous ai dit ceci, quand Dieu permet une souffrance, alléluia, il permet aussi une porte de secours. Amen. Et si vous lisez les épîtres de Paul, il explique quel genre de souffrance il a vécu. Alléluia. Il explique quel genre de souffrance il a vécu. Il a vécu le naufrage, les menaces, la persécution. Il était banni par ses frères. La lapidation, les conflits avec d'autres disciples. Il a été maltraité, battu de verges. Il a été prisonnier. Alléluia. Il a subi des tumultes, des émeutes. Il a été traîné devant les tribunaux. Il a subi, bien aimé, pas mal de souffrances. Alléluia. Amen. Mais, ce qui est très étonnant, à la fin de sa vie, Paul dit ceci. J'ai combattu un bon combat. Alléluia. Amen. Malgré toutes les souffrances, lui dit, j'ai combattu un bon combat. Je vous ai dit ceci. Le combat dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est périodique. Ça peut venir juste au moment de décembre, comme nous avons l'habitude de croire que non. Oh, vers la fin de l'année, il y a toujours des esprits mauvais qui nous attaquent. Il y a des problèmes, il y aura toujours des problèmes à la fin de l'année. Alléluia. C'est une fausse croyance. Satan n'a jamais été distrait. Satan ne prend jamais du repos. Nous avons dit ceci la fois passée. Satan n'a pas la faculté d'être omniprésent. Alléluia. Il ne peut pas être partout au même moment. Mais il se déplace rapidement. Alléluia. Satan ne peut jamais patienter dans ta vie pour qu'il puisse t'attaquer seulement au mois de décembre, à la fin de l'année. C'est impossible. La Bible dit, il rôde tout autour de nous. C'est-à-dire, chaque jour, chaque instant, il est là, tout autour de toi, en train de chercher qui dévorer. Alléluia. C'est-à-dire, le combat dans notre vie est permanent. Le combat est continuel. Chaque seconde de notre vie, c'est un combat. Chaque moment de notre vie, c'est un combat. Et ce combat peut être visible, tout comme il peut être invisible. Alléluia. Amen. Nous apprenons que nous sommes combattus quand nous voyons maintenant la réalité. Alléluia. Mais je vous dis que le combat commence avant dans le domaine spirituel. Quand Job était tranquille dans sa maison, quand Job vivait tranquillement avec sa famille, il y avait un grand combat dans les ciels contre lui. Alléluia. Amen. La Bible dit, Satan s'appelle accusateur. C'est-à-dire, le combat commence par l'accusation. Le combat commence par l'accusation. Job dormait tranquillement. Ses enfants fêtaient tranquillement. Oh, là, dans les ciels, il y avait des accusations terribles contre lui.
le combat a commencé à partir de là. Mais parce que Job ne se reproche de rien, parce qu'il sait qu'il est dans l'alliance avec Dieu, il dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Alléluia. Il reconnaît qu'il est devenu esclave quelque part. Esclave de la souffrance, esclave de malheur, de maladie. Mais il y aura quelqu'un qui viendra pour les racheter. Alléluia. C'est ça la foi d'un enfant de Dieu quand il est dans la situation d'une souffrance permise par Dieu. Amen. David dit, Paul dit, j'ai combattu un bon combat. C'est-à-dire, toute cette souffrance-là, c'était un combat pénible. Mais il a affronté les combats que Dieu permet dans notre vie. La souffrance que Dieu permet dans notre vie, ce n'est pas pour nous écraser. C'est pour seulement que nous puissions montrer le niveau de notre foi. J'ai dit l'autre fois que les grands combats que nous avons, c'est un combat de la foi. Alléluia. Amen. C'est un combat de la foi. Quand Dieu permet la souffrance, il sait que tu as la force. Ta force, c'est quoi? C'est la foi que tu as. Alléluia. Amen. La force interminable, la force implacable que tu as, c'est ta foi. C'est la foi en Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit, j'ai combattu un bon combat de la foi. Mais il parle de la foi aussi longtemps qu'il était en péril. Alléluia. Il parle de la foi aussi longtemps qu'il a fait naufrage. Il parle de la foi aussi longtemps qu'il était persécuté. Lui, il ne voyait pas la souffrance, la charnelle. Il ne voyait pas les coups qu'il recevait sur son corps. Il ne voyait pas les dangers dans la mer ou dans les fleuves. Lui, il voyait la foi. Alléluia. Amen. C'est sa foi qui était touchée. Amen. 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 Il suffit que Satan rapporte ta foi, c'est fini. Tu es terrassé. Amen. 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 Les gens qui n'ont pas pu résister, bien aimé, à ces attaques, vous allez les retrouver dans des loges. Vous allez les retrouver dans des sciences occultes. Vous allez les retrouver chez les féticheurs. Alléluia. Amen. Non, j'en ai marre de cette souffrance. J'en ai marre de vivre ces choses. J'en ai marre d'être le sujet de moquerie. J'en ai marre. Il faut que je trouve une solution de moi-même. Alléluia. Amen. Écoute ce que dit la Bible. Un homme que Dieu appelle l'homme selon son cœur. Il dit ceci, j'élève mes yeux vers les montagnes. Alléluia. Il lève ses yeux vers les montagnes. Qui dit une montagne? Une montagne ici représente ce qui est stable. Alléluia. Une montagne ne peut pas se briser, ne peut pas s'ébraler. Alléluia. David dit, j'élève les yeux vers celui qui est stable, ce qui est stable. Parce que la montagne... C'est quelque chose peut-être qui est, pour lui, c'est quelque chose qui est fidèle à sa poste, qui ne peut jamais changer. Mais il dit, la montagne n'a pas donné la solution. Alléluia. C'est là où je vais faire les montagnes, tout me viendra le secours. Mais il dit ceci, ce n'est pas la montagne qui donne, la montagne qui donne le secours, il dit, le secours me viendra de qui? De l'éternel, mon berger. Alléluia. De l'éternel, mon berger. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous êtes dans cette position-là, d'une souffrance que Dieu a permis, demeurez dans la foi. Croyez que Dieu est capable de relever, même si vous êtes tombé. Alléluia. La foi fera que tu sois toujours agréable devant Dieu. Le problème, c'est quoi? Quand nous sommes dans cette position de souffrance, les gens cherchent à être agréables devant les hommes. Alléluia. C'est cet homme qui va faire qu'il soit agréable devant sa femme. C'est cet homme qui fera qu'il soit non. Soit cherche à ce que tu sois agréable devant Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui est arrivé à Job. Si Job a voulu rester agréable devant sa femme, Job allait tomber dans les mains du diable. Alléluia. Amen. Parce que même dans les couples, même dans les mariages, nous avons trois ou quatre types de femmes. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons des femmes, comme la femme de Job, qui ne supportent pas la souffrance de son mari. Alléluia. Amen. Elle avait l'amour de Job quand Job était en bonne santé. Elle avait l'amour de Job quand Job avait tous ses biens. Mais la souffrance, la femme de Job ne supporte pas. Elle préfère être veuve que voir son mari souffrir.
Mais elle ne comprend pas que la souffrance est imposée par Dieu parce que Dieu veut que Job et toute sa famille puissent croire que Dieu existe. Alléluia. Amen. Pour la femme de Job, Dieu existe quand Job avait bien, avait tout ses biens. La plupart des gens aujourd'hui, Dieu est Dieu parce que nous avons tout. Alléluia. Que tu aies tout ou pas, sache que Dieu est Dieu. Alléluia. Alléluia. Que tu sois dans la menace ou dans la joie, sache que Dieu est Dieu. Il reste Dieu, il est invariable, il ne change pas. Alléluia. La femme de Job, non, s'il était Dieu, tu ne peux pas devenir comme ça. Amen. Nous avons la femme, une catégorie de femmes, comme la femme de David. Alléluia. Elle est contente de son mari quand son mari est respecté par les gens et honoré. Alléluia. C'est-à-dire quand son mari est bien habillé, respecté par les gens, honoré, là la femme est contente. Mais quand il voit son mari danser, tomber par terre à cause de Dieu, dit non, ça c'est que j'ai des maris. Moi je ne mérite pas. Alléluia. C'est là où on a une femme qui dit à son mari, tu n'es pas l'homme de mon niveau. Alléluia. Quand j'étais fait porter l'anneau, j'étais l'homme à ton niveau. Parce qu'il y a eu une erreur, qui sait, je ne suis plus à ton niveau. La femme de David. Alléluia. Un roi ne peut pas danser comme ça. Un roi ne peut pas tomber par terre parce qu'il est content. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a frappé cette femme. Alléluia. Amen. Dieu a frappé cette femme. Nous avons des femmes. Une type de femme comme la femme que j'appelle Ruth. Alléluia. Amen. Elle a tout perdu. L'homme est mort. Elle est rentrée avec sa belle-mère. Sa belle-mère un jour décide aussi de partir. Alléluia. Mais Ruth comprend que cette femme, malgré qu'elle est souffrante, malgré qu'elle a tout perdu, mais elle a un Dieu. Alléluia. Oui, il faut que tu comprennes le mari ou bien la femme que tu as. Quel est le Dieu qu'il a? Alléluia. Amen. Quel est le Dieu de ton mari? Quel est le Dieu de ta femme? Et Rita a compris que non, le Dieu de ma belle-mère, Rita, c'est le vrai Dieu. Alléluia. Amen. Et dira à Rita, là où tu seras, c'est là où moi aussi je serai. Ton Dieu sera aussi mon Dieu. Alléluia. Vous savez, la foi de plusieurs femmes, la foi de plusieurs hommes peut faillir aujourd'hui parce que en couple, ils n'ont pas le même Dieu. Alléluia. C'est ça qui met en commun ces gens, c'est juste le corps. Mais en esprit, chacun a son Dieu. Et dans ce genre de mariage, vous aurez du mal, bien aimé, à cohabiter ensemble. Alléluia. Il y aura des combats à tous les niveaux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons aussi une femme, la dernière catégorie. La femme qui peut sauver sa famille dans une souffrance imposée par Satan. Amen. 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 C'est ce genre de femmes qui peuvent sauver l'église, qui peuvent sauver leur famille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cet homme qui était marié. Nous avons lu ça dans la fois passée dans les livres de Rois, chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 7. Alléluia. Amen. La femme, quand elle voit les serviteurs de Dieu Élie venir, elle se présente devant de lui. Il présente maintenant son mari. Alléluia. Il commence par présenter son mari. Elle ne parle pas d'abord de son problème. Alléluia. Et pourtant, elle avait un problème grave. Le créancier est venu pour prendre ses deux enfants à cause d'un crédit que son mari avait contracté. Alléluia. Amen. 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 Nous avons lu l'amour. J'ai donné aux enfants d'Israël la loi sur l'année de relâche. C'est-à-dire, après chaque 7 ans, les enfants d'Israël avaient le droit de libérer toute personne ou bien tous les biens qu'on a pris en otage à cause d'une dette.
Amen. C'est-à-dire quoi? Si moi, j'ai emprunté l'argent chez toi, tu m'as prêté ton argent, et que je ne suis pas en possibilité de les rembourser, je dois te donner quelque chose en otage, en compensation. Alléluia. Amen. Mais après 7 ans, tu es obligé de me remettre ce que je t'avais donné et d'annuler la dette. Alléluia. Amen. On appelait ça l'année de relâche. Cet homme vivait en Israël. Il s'est passé plusieurs années de relâche. Lui n'était pas relâché. Alléluia. Le créancier n'a pas abandonné le crédit. La dette était toujours là. Et le monsieur est mort. Mais cet homme, sa femme présente cet homme devant l'homme de Dieu. Il dit, il est juste. Il est droit devant Dieu. Il craint Dieu. C'est les mêmes caractéristiques avec Job. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Les mêmes caractéristiques avec Job. Mais lui, malgré toute sa sainteté, il est incapable de payer une dette. Cette dette n'est pas imposée par Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans le livre de Samuel, là où Joab est en train de subir la malédiction proclamée par David, il dit, dans ta famille, il y aura toujours quelqu'un qui va faire quoi? Qui va souffrir. Alléluia. Et qui va demander le pain chaque fois. Et cet homme s'est retrouvé maintenant dans cette lignée-là. Amen. Amen. En tant que serviteur de Dieu. Mais il est obligé de demander le pain. Il est obligé de s'endetter pour vivre. Et il n'a pas la possibilité de payer. Il n'a pas la possibilité de rembourser. Il est mort. Le créancier n'a pas eu pitié de cette pauvre veuve. Il dit, tu dois me donner tes enfants comme esclaves. Alléluia. Amen. Peut-être cette femme-là s'attendait que ses enfants grandissent. Et quand ils vont grandir, peut-être qu'ils vont parvenir à l'aider. La femme, peut-être, elle avait mis tout son espoir dans ses enfants-là. Mais les enfants sont en train de prendre le chemin de l'esclavagisme. À cause d'une dette contractée par leur père. Alléluia. Amen. Regardez comment certains enfants sont victimes aujourd'hui à cause des dettes que leurs parents ont contractées. Amen. Amen. Ça peut être une dette spirituelle. Ça peut être une dette financière, mais une dette matérielle. La dette ici peut se définir d'une manière ou d'une autre, de plusieurs façons. Alléluia. Amen. Les gens qui ont des dettes, j'ai dit l'autre fois que Dieu ne nous prête pas. Dieu nous donne. C'est un vrai donateur. Et quand il donne, il ne peut jamais se repentir de ses dons. Amen. Amen. Dieu, c'est un véritable donateur. Il fait des dons à qui il veut. Amen. Amen. Mais Satan, il prête. Quand il te prête, c'est que tu dois faire quoi? Tu dois rembourser. Alléluia. Amen. Une dette reste dette. C'est pourquoi dans Proverbe, il est dit ceci. Proverbe chapitre 22, verset 7. Celui qui emprunte, il est qui? Esclave. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu prends une dette chez quelqu'un, tu es son esclave. Raison pour laquelle cet homme est venu prendre ses enfants, parce qu'il sait que la dette engage toute une vie. Amen. 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 Surtout si c'est une dette spirituelle. Une dette qui vient d'une mauvaise alliance contractée. Cette dette-là ne peut pas être, bien aimé, résolue d'une manière matérielle ou bien d'une manière financière. Amen. Amen. Pour que tu sois dégagé de cette dette, il faut rencontrer celui qui a pris sur toi toute ta souffrance. Amen, amen. Alléluia. Amen. Pour terminer, Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Ce genre de dette, même si tu as beaucoup de biens, tu peux payer, la dette ne finira jamais. Même si tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de soucis, tu vas payer, la dette ne finira jamais. Pour que la dette soit complètement bannie, il faut seulement, bien aimé, rencontrer celui qui a le pouvoir de payer ta dette. Amen. 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 Ésaïe 53, le verset 10. La Bible dit ceci. Il a plu à l'Éternel de briser par la souffrance. Alléluia. Amen. Amen. Il a plu à l'Éternel de briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Alléluia. Amen. Après avoir
livrer sa vie en sacrifice pour les péchés. Il s'agit de qui ici? Il s'agit de Jésus. Alléluia. Amen. Pour que cette dette soit payée, il faut quelqu'un qui puisse payer pour toi. Amen. C'est pourquoi Job parle de mon rédempteur. Alléluia. J'ai aussi dit que les caractéristiques de Job correspondent totalement aux caractéristiques de ce sacrificateur, de cet homme. Alléluia. Amen. Mais chose grave, les deux vivent la même chose, mais Job reconnaît qu'il y a un rédempteur quelque part qui est capable de racheter. Alléluia. Amen. Qui est capable de racheter toutes ces dettes. Vous savez, aujourd'hui en France, si vous êtes endetté, vous avez plusieurs dettes et que vous n'êtes pas en mesure de payer, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui se passe? Il y a la Banque de France qui va racheter vos dettes. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. Il y a la Banque de France qui va racheter toutes vos dettes. Mais vous avez une interdiction formelle. Alléluia. Amen. Une interdiction formelle. Pas question d'avoir une carte bancaire. Alléluia. Amen. Pas question d'avoir un chéquier. Pas question d'utiliser les comptes bancaires. Amen. Amen. Mais on a racheté vos dettes. Amen. Amen. Comment maintenant tu vas vivre? Amen. Mais ici, il est dit ceci. Alléluia. Amen. Il est dit ceci. Il a pris. Dieu s'est donné le plaisir. Alléluia. Amen. Dieu s'est donné le pouvoir. Dieu est content, bien-aimé. Il a fait quoi? Il a brisé Jésus par la souffrance. Ce qui s'est passé sur la croix, c'est Dieu qui a imposé la souffrance à Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pour que toi qui étais endetté, toi qui avais des dettes que tu ne pouvais pas payer, des dettes que tes arrières et arrière-parents ne pouvaient pas payer, qui sont tombées sur toi, tu es devenu victime sans le savoir, sans le vouloir. Alléluia. Amen. Alors Dieu a pris ce fardeau-là. Il a chargé Jésus. Alléluia. La souffrance que tu étais obligé de vivre d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Tout ce que tu faisais ne marchait pas. Tout ce que tes arrière-parents ont fait n'a pas marché. Bonne main, tu avais du mal à avoir un héritage approprié parce que ta famille, la lignée de toute ta famille était endettée. Alléluia. Sur le plan spirituel, il y a une lourde dette à payer. Et cette dette-là, ton travail ne peut pas les payer. Alléluia, la payer. Tes efforts, c'est possible. C'est pourquoi Dieu a chemin de prendre quelqu'un. Alléluia. De le briser par la souffrance. Alléluia. C'est-à-dire, sur la croix, Jésus a supporté. Il a pris sur lui toutes nos souffrances. Alléluia. Toutes les souffrances qui nous condamnaient sont tombées sur lui. Pour que toi, tu étais pauvre, afin que tu deviennes riche. Alléluia. Ces genres de souffrances imposées ne peuvent se libérer que si tu vas rencontrer Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Job, il dit, mon rédempteur est vivant. C'est-à-dire, celui qui est capable de racheter cette souffrance-là, il est vivant. Mais il se levera les derniers. Alléluia. Et aujourd'hui, cette confession de Job se fasse par notre foi. Amen. 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 La foi en Jésus. La foi dans l'œuvre de la croix. Alléluia. Quand nous disons que j'ai confiance en Dieu, je crois que Dieu va agir. Bien aimé, tu ne verras jamais Dieu avec tes propres yeux comme ça. Amen. Tout ce que Dieu pouvait faire dans ta vie, toutes sortes de délivrances, toutes sortes de bénédictions, toutes sortes de biens, toutes sortes de tout ce qui est précieux, Dieu l'a déjà accompli par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a déposé, a brisé sa vie par la souffrance. Amen. Dieu a déchargé Jésus. Déchargé de cette souffrance pour que toi tu deviennes aujourd'hui une source de bénédiction. Amen. 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 Voilà comment on peut s'en sortir de cette souffrance imposée. La femme, quand elle a vu Élisée passer, elle s'est approchée.
Il a déclaré haut et fort ce que son nom était. Alléluia. Et Élisée n'a pas cherché de l'argent, n'a pas donné de l'argent à cette femme. Alléluia. Le problème, c'est une dette. Amen. Qu'on doit payer. Alors, qu'est-ce qu'il faut quand on vient te poser ce genre de problème? Madame, prends l'argent, elle va payer. Alléluia. Mais écoutez ce qu'elle a dit. Il a dit, Élisée, cherche des bidons, entre dans ta maison, ferme la porte. Qu'est-ce que tu as d'abord? Amen. Qu'est-ce que tu as? C'est-à-dire, la solution de cette femme n'est pas venue d'Élisée. Elle est venue d'elle-même. Alléluia. Amen. Si elle disait, je n'ai rien, Élisée aussi n'avait rien à faire. Alléluia. Amen. Elle dit, je n'ai qu'une petite quantité d'huile. Amen. Amen. Une petite quantité d'huile. L'huile représente quoi? Quand on faisait la consécration, Dieu avait recommandé à Moïse de faire une onction d'huile. Alléluia. Et quand on versait l'huile sur quelqu'un, en quelque sorte, l'homme était en contact permanent avec Dieu, automatiquement avec Dieu. L'huile symbolisait la puissance de Dieu, l'huile symbolisait le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Pour que quelqu'un entre dans les fonctions, à l'époque, il fallait qu'on fasse une onction d'huile. Mais pour quelqu'un qui est malade à l'époque, la Bible dit, si quelqu'un est malade, qu'on fasse quoi? L'onction d'huile sur lui. Amen. Lui, il représente la puissance de Dieu, Dieu lui-même, le Saint-Esprit. Elle avait une solution, mais elle ne savait pas comment exploiter cette solution. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle avait déjà la délivrance dans ses mains, mais elle ne savait pas comment exploiter la délivrance. Tu as une petite foi. Mais tu ne sais pas qu'avec cette petite foi, ça peut engendrer toute une délivrance, ça peut engendrer des bénédictions dans ta vie. Amen. 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 Exploite la foi que tu as. Exploite la petite foi que tu as là. Bien-aimé, Dieu ne peut jamais te laisser écraser par des problèmes jusqu'à ce que tu détruises toute ta foi. C'est impossible. Alléluia. Amen. C'est impossible. C'est pourquoi, même en ce moment-là, Dieu est en train de compter sur toi. Alléluia. Amen. Il te voit un grand vainqueur. Il te voit un grand victorieux. Parce qu'il sait qu'en toi, tu as encore une petite quantité d'huile. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as une petite quantité d'huile. Entre dans ta maison. Entre dans ta chambre. La Bible dit, si tu as un problème, entre dans ta chambre. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas une chambre, tu vas prier où? Alléluia. Amen. Si tu dors chez quelqu'un dans le salon, tu vas prier où? La vraie chambre, c'est ton cœur. Là où réside la foi. Alléluia. Alléluia. Rentre dans ton cœur. Tu vas trouver qu'il y a une petite quantité d'huile. Avec cette huile-là, bien-aimé, tu vas remplir toutes tes vases. Avec cette huile-là, tu vas payer la dette. Avec cette huile-là, tu vas t'en sortir. C'est la foi en Jésus-Christ. Alléluia. C'est la foi en Jésus-Christ. Tu t'as laissé encore une portion d'huile pour que tu puisses t'en sortir avec. Tu as une foi. Et la foi-là que je te parle, provient de ce que tu viens d'écouter comme parole de Dieu. La portion d'huile que Dieu t'a laissée, c'est cette capacité, c'est cette force qui t'a donné d'écouter la parole de Dieu. Car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas dire, mais où est la foi? Comment je peux avoir la foi? Comment j'aurai la foi? La foi provient de ce que tu viens d'écouter, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu es resté écrasé par des problèmes, par des souffrances, tu n'avais pas la foi. Mais quand Dieu permet que tu écoutes sa parole, c'est que Dieu te communique la foi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, ne faut pas louper le moment d'écouter la parole. Ne faut pas échapper, bien-aimé. Oh non, je ne peux pas venir aujourd'hui parce que... Non, quand Dieu permet que tu puisses écouter la parole, la première des choses, c'est pour que tu puisses d'abord avoir la foi. Amen. 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 Je disais hier à Papa Nila, la Bible dit ceci. Tout ce qui est écrit pour nous servir d'exemple. Amen. La Bible dit que tout ce qui est écrit, tout ce que nous venons de lire là, c'est écrit pour nous servir d'exemple. Tu es dans quel cas aujourd'hui? Ta souffrance se positionne dans quel type de souffrance? La souffrance imposée par Satan? La souffrance naturelle parce que tu as péché? Ou bien parce que tu as vécu dans une mauvaise, dans une famille pauvre et la pauvreté est héréditaire, ou bien c'est une souffrance que Dieu a permis. Alléluia. Amen. Comprendre d'abord à définir dans quel type de souffrance tu te retrouves. Mais peu importe
Quel type de souffrance? La Bible dit ceci. Jésus-Christ a été brisé par la souffrance. Amen. Alléluia. Amen. La souffrance là que tu es en train de vivre, il y a quelqu'un qui a vécu cela. Il suffit que tu fasses de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. C'est fini, tu es victorieux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, debout pour prier. Brisé par le feu du Saint-Esprit et à jamais effacé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je rends nul et sans effet toute alliance mauvaise qui amène mes amis, mes collègues, mes connaissances, mes relations et mes voisins à me rejeter soudainement au nom de Jésus, sang de Jésus, efface de ma vie toutes les alliances mauvaises qui me poussent à offenser ce que je ne suis pas supposé offenser. Au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit détruise toute mauvaise alliance qui maudit moi et ma famille. Au nom de Jésus, sang de Jésus, détruit et efface toute mauvaise alliance qui amène la malédiction dans ma vie. Au nom de Jésus, Saint-Esprit détruit et rend nul toute alliance qui rétablit des mauvaises partenaires, des mauvais partenaires dans ma vie et dans ma famille. Au nom de Jésus, sang de Jésus, révoque et efface toute mauvaise alliance qui permet aux démons d'établir des marques, des emblèmes, des symboles et des dessins maléfiques dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous, alliance mauvaise qui apporte dans ma vie les maux de tête, la tristesse, la souffrance, la douleur et les maladies. Au nom de Jésus, je vous rejette et je vous révoque à jamais. Toi, alliance mauvaise qui travaille dans ma vie à cause des choses impures touchées par moi ou par quiconque de toute génération de ma famille, soit brisé, soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, détruit et efface toutes les mauvaises alliances qui travaillent contre moi et ma famille à cause du fait que nous avons touché une chose quelconque dédié à Satan. Au nom de Jésus, vous alliance mauvaise qui êtes la source des mauvaises rêves, je vous révoque au nom de Jésus. La source de la souffrance, la source de certaines maladies, la source de certains problèmes, de certaines barrières, de certaines difficultés dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus, je vous déclare il est sans effet. Je vous annule, vous, alliance mauvaise qui permettent aux démons d'introduire des problèmes dans ma vie à travers les rêves, à travers mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, sang de Jésus, annule toute alliance dans ma vie qui produit l'aveuglement et la surdité spirituelle dans ma vie, l'ignorance spirituelle, la connaissance spirituelle. Au nom de Jésus, éternel, détruit toute alliance mauvaise dans ma vie qui empêche l'œuvre de mes mains de prospérer. Au nom de Jésus, qui empêche mon mari, mes enfants, ma femme à prospérer, ma famille à prospérer. Au nom de Jésus,
sang de Jésus, efface toutes les alliances mauvaises qui établissent un voile démoniaque sur ma vision spirituelle, ma compréhension, mes pensées et mon raisonnement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la paix de Dieu qui surpasse toutes choses garde mon cœur dans la paix en Jésus-Christ. Que ma foi demeure solide en Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'accomplissement de l'œuvre de la croix. Merci pour les services des anges, merci pour le sang de l'agneau, car il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause du témoignage de leur bouche. Nous confessons que nous sommes plus que vainqueurs. Nous confessons que nous sommes sauvés. Nous confessons que nous sommes bénis. Nous sommes délivrés de toute malédiction au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci pour l'accomplissement de ta parole. Que la gloire te revienne, toi l'auteur de toutes choses. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Nous passons.